ce cheval qui a réussi à gagner deux courses de 3 en. C'est-à-dire le niveau de course de ce cheval-là, cheval de vitesse, il s'appelle Confucius, cheval de vitesse donc, et de précocité. Il a gagné un 3 à 2 ans, c'est l'épreuve qu'on vient de voir. Et il a également remporté un nouveau groupe 3 à l'âge de 3 ans sur la distance de 200 mètres. Il nous est présenté par le rat de la forêt, Patricia Gemel-Vittori. Et c'est le premier de Sylvester, quelle confusion assez amusante, puisque c'est le premier titre de Kate Cross qui fait la même en France, Kate Cross qui est autre que le père du phénoménal 6-2-Star. C'est une réussite de vitesse très anglaise pour ce Confucius, mais pas sans savoir que le sprint est une très vieille tradition anglaise avec un programme élaboré uniquement pour ces épreuves sur 1100 mètres. C'est pour ça que les Anglais, en général, viennent récupérer la plupart des trophées sur le sprint français. Non, il arrive même parfois que l'abbaye de Longchamp soit composée d'un lot de quasiment uniquement anglais, à tel point que Wissi de l'abbaye de cette était la seule française au départ. Bref, tout cela pour dire que ce cheval est vraiment étiqueté dans le bon sens du terme sprint, que ce soit dans son pédigré, que ce soit dans ses performances. Il a commencé la montre, il va faire sa troisième année, il fait la montre à 1500 euros. Il a cette année donc, il vient d'avoir ses premiers yearlings. Il y a des conditions, il y a des conditions tout à fait particulières pour ce cheval si les mères sont gagnantes ou ayant produit au moins un événement que je peux essayer de proposer à Poitiers. C'est ce qu'on appelle des conditions très spéciales. Un excellent devant